Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour cette webconférence intitulée Les marchés financiers à l'heure de la guerre en Ukraine. Car oui, c'est bien désormais d'une guerre qu'il s'agit alors que les troupes russes se sont lancées dans une invasion à grande échelle du pays. Et on le voit au-delà des conséquences directes dramatique pour les populations touchées par cette offensive militaire. les répercussions sur l'économie, sur les marchés sont significatives avec une chute importante des indices, une envolée du prix des matières premières, pétrole et gaz en tête. Alors bien sûr en tant qu'épargnant, vous vous demandez quelles conséquences cette guerre va avoir aussi sur vos placements à court à moyen terme, s'il faut patienter, faire le dos rond, c'est ce qu'on a lu dans vos questions ou au contraire revenir sur des supports sécurisés alors que les incertitudes devant nous sont élevés, certains plus offensifs se demandent si au contraire ce ne serait pas l'occasion de rentrer, d'ouvrir un contrat d'assurance vie durant cette période. Eh bien pour répondre le mieux possible à toutes ces questions, je suis entouré ce soir sur le plateau de nos deux experts, Olivier Quinty, gérant allocataire pour la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama Ma Vie. Bonsoir Olivier. Bonsoir Laurent. Et Michael Nizar, directeur des investissements multi-actifs, tous les deux bien sûr chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Michael. Bonsoir Laurent. Bon. On va essayer ce soir d'être les plus clairs, les plus euh, didactiques possibles. On va faire bien sûr le point sur les tenants et les aboutissants de cette crise géopolitique internationale. On verra ensuite quelle incidence elle va avoir, elle risque d'avoir sur la croissance mondiale, et notamment bien sûr, je l'ai déjà dit, sur les matières premières, et quelles ont été les stratégies d'investissement côté Edmond Rothschild, Asset Management pour s'adapter à la situation. Et bien sûr, l'essentiel de ce webinaire, il sera... Consacré à répondre à vos questions, vos interrogations, pour vous aider, vous éclairer sur les décisions à prendre en tant qu'investisseur durant cette période chahutée. Bien sûr, tout au long de ces échanges, vous pourrez continuer à poser des questions. On a déjà reçu énormément, et puis bien sûr, vous aurez le replay disponible d'ici quelques jours pour tout voir si vous ne pouvez pas assister à l'intégralité de la webconférence ce soir. On va commencer tout de suite. Il s'est passé, je l'ai dit, beaucoup de choses sur les marchés depuis l'invasion russe de l'Ukraine, envolée des matières premières, et ça tout le monde le voit, chute des bourses, mais aussi beaucoup, beaucoup de volatilité. On l'a encore vu hier notamment avec ce rebond assez incroyable du CAC 40. Comment finalement, Michael, on peut essayer d'expliquer aux clients, aux gens qui nous regardent et qui peut-être sont un peu perdus, un peu décontenancés par ce qu'ils découvrent chaque jour, en plus de l'activité géopolitique, sur les marchés financiers. Oui Laurent, effectivement, la, la désescalade euh, pour l'instant euh, militaire n'est malheureusement pas encore entamée, alors que l'escalade des prix comme vous le rappeliez tout à l'heure, euh, continue de s'amplifier et de déstabiliser finalement les grands marchés des matières premières, à commencer par le pétrole, le gaz, mais aussi le blé et d'autres euh, matières comme les, les, métaux, euh, les métaux précieux. Le nickel, incroyable. Exactement. Se passe, ouais. Donc en fait, euh, ce qu'on regarde précisément, c'est la soudaineté et euh, l'amplitude du mouvement des prix sur euh, les matières énergétiques, notamment le pétrole, qui peut constituer à, à lui seul finalement un choc. Euh, d'envergure oui. assez importante. Euh, et on se rappelle effectivement que généralement ça peut être une cause de récession et c'est ce que les marchés ont commencé à intégrer hein, comme, comme probabilité. Euh, et quand on parle de choc, on parle d'un choc d'offre mmh. qui généralement euh, tend à remonter le coût des, de production mais aussi un choc de demande puisqu'en fait il, devrait, il pourrait affecter aussi le pouvoir d'achat notamment de la consommation. Et donc, aujourd'hui, il est peut-être encore trop tôt, selon nous, pour vraiment tirer des, des conclusions, euh, euh, parce que l'avenir et le devenir de ce conflit est, est plutôt incertain. Euh, mais sans être naïf, on peut espérer que le conflit baisse en intensité et nous permette de, de poser un petit peu les, les, les jalons de euh, quels sont les impacts, finalement, sur la croissance mondiale et précisément sur la croissance européenne. Alors. Justement, sur la croissance, euh, Madame Lagarde, euh, dans sa conférence de presse, présidente de la BCE, hein, on oui. regardait de très près finalement son, son jeu de prévision, notamment mmh. sur, les, sur les questions de quels sont les impacts mmh. de cette guerre. Elle-même dit aujourd'hui que de toutes les manières, elles sont entourées d'une incertitude assez importante. Mais j'ai envie de vous donner un chiffre. La BCE anticipait 4,2% de croissance pour l'Europe, qui est un chiffre qui a rarement été vu dans, mmh. dans l'histoire économique de, de l'Europe. Elle prévoit. Euh, lié à la guerre, un choc de 0,5%. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, les, les impacts sont. Euh, mmh. Alors, bien sûr, il y a entouré beaucoup d'incertitudes, mais ils sont pour l'instant limités. Alors, pourquoi ils sont limités Parce qu'on a un, un contrefeu potentiel que les États européens mmh. euh, s'empressent de mettre en place, qui est le, le volet budgétaire. On a eu une impulsion budgétaire très forte liée au Covid, on se rappelle, à partir de mai 2020. Mmh. Tout récemment, et d'ailleurs, il y a une, une grande réunion justement de, de l'ensemble de la zone euro à Versailles mmh. pour discuter justement d'un plan oui. euh, d'infrastructures lié à l'énergie, à la défense, vraiment massif. Et donc, pour revenir sur les impacts, mmh. il faut absolument pas aussi oublier finalement quelles sont les, les compensations, euh, même partielles, mais que on peut trouver finalement dans une impulsion budgétaire. Mmh. Et j'ai envie de dire le mot. Clé, c'est l'interventionnisme de l'État. Il a été important à partir de mars, mai 2020, ouais, et il quoi va continuer. Ouais. Et il on continuera dans les années. Et c'est pour nous une thématique d'ailleurs d'investissement qui est très forte et qui en découle sur, euh, on le verra, euh, différentes thématiques ouais. comme euh, la transition énergétique et d'autres. Mais je vous laisse. Euh... Non, mais après, la question qui, qui vient assez naturellement, euh, Michael, c'est. On s'est vu avec Olivier il y a quelques semaines, euh, pour faire le point justement sur euh, la gestion pilotée de l'assurance vie. On était à l'époque, on s'intéressait. On s'interrogeait sur l'inflation plutôt persistante et on avait une croissance macroéconomique qui était au rendez-vous, qui était forte. On avait euh, des bons résultats d'entreprise. Euh, on était sur un scénario vraiment bien orienté sur 2022. La question aujourd'hui que tout le monde se pose, est-ce que ce scénario, même si vous avez déjà un petit peu répondu, est remis en cause On a deux questions hein, qui sont tombées. Monique, Marie-Christine, Monique, pensez-vous que si la guerre s'arrête, les, march les marchés reprendront ou y aura-t-il une période d'incertitude suite à une crise économique qui reste de, de se dessiner et de durer. Marie-Christine, peut-on espérer un redressement de la situation financière des bourses dans les deux ou trois mois qui viennent Doit-on attendre des jours meilleurs, même si c'est dans un an ou vont-ils mieux essayer de limiter les pertes dès maintenant Donc, au cœur des interrogations de nos clients, il y a voilà, est-ce oui. que dans deux mois, on n'en parle plus C'est oui. pour, vraiment pour résumer de façon un peu brutale. Ou est-ce que ce, ce qu'on avait prévu pour 2022 est un peu hypothéqué maintenant Alors, effectivement, pour, répondre, pour tenter de répondre en oui. tout cas à Marie-Christine, j'ai envie de dire il y a trois critères qu'on qu doit vraiment retenir pour essayer d'avoir une grille de lecture qui nous permette de traverser euh, cette période-là euh, liée au conflit. Le, le premier critère, c'est finalement quelle va être la durée du conflit. Est-ce qu'on va vers un scénario dit à la syrienne, c'est-à-dire d'enlisement, ou une guerre éclair euh, si nous avons une guerre éclair, nous avons effectivement une désescalade très rapide des, et, et donc des sanctions qui vont être de moins en moins sévères. Le deuxième critère, c'est la sévérité des sanctions. Euh, on a très prochainement, le 12 mars, la mise en application des, euh, des sanctions liées à SWIFT. Donc, euh, toute la question va être de savoir comment le, le marché interbancaire va réagir. Donc, il y a aussi ce, ce critère de euh, quelle est la sévérité des sanctions et euh, le troisième point c'est la réaction finalement euh, liée euh, finalement à, ces, euh, à cette ah guerre ça, par, ça, par les états. Ouais. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la, la, la réaction, elle est à la fois euh, vive oui. et, et elle est volontariste. Oui. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de 2011, 2012 où on a tardé, on a mis des années avant de penser à une, une un, un bon, enfin, à des obligations qui puissent être euh, solidaire avec vraiment une, une sortie par le haut oui. euh, de l'Europe. Là, en l'espace, enfin, on l'a vu en 2020, oui. on le voit encore cette cette année. Ils sont déjà en train de parler d'un d'un plan euh, très important pour réagir finalement à ce, ce choc de confiance. Donc c'est trois critères là et une plus forte réactivité qui viendrait soutenir finalement euh, la tendance tout à fait économique Donc, alors ce n'est pas forcément pour porter un grand vent d'optimisme mais ouais, j'ai ouais. envie de dire le pire n'est pas certain ouais. et que euh, avant d'aller voir l'apocalypse euh, on ne pense pas, on, on ne retient pas du tout mmh. ce scénario euh, aujourd'hui parce que on voit bien, M. Poutine euh, a vraiment déjà du mal à entrer en Ukraine euh, et donc euh, il y a quand même un, une, une volonté farouche de la part des, euh, des, des pays de l'OTAN mmh. à pouvoir repousser finalement ces euh, ces, ces, ces velléités. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir sur ces trois critères-là. Va-t-on avoir une durée longue mmh. Quelle sévérité des sanctions et quelle réactivité on a plutôt tendance à penser que euh, quand on regarde sur le long terme, mmh. l'Europe n'a jamais été aussi euh, forte que quand elle a été... Dans des phases euh, de crise, de, de crise dire, presque oui. existentielles. Oui. Et c'est dans ces phases-là où la construction était très forte. Et là, il y a un sentiment d'adhésion. Là, je parle vraiment sur le moyen terme, qui est tellement fort, avec un, une, finalement un verrou lié au, euh, de sécurité qui était le, le budget, l'austérité budgétaire à l'Allemande. Oui. Il est en train de sauter oui. aussi. Donc, euh, si on regarde à ça plus va long peut terme. Ça peut les choses aussi. Exactement. Ça peut-être oui. avoir des effets positifs. Je sens qu'Olivier brûle d'ajouter quelque chose. Et si on régit, on peut nous mettre l'écran de retour qui a décidé, lui, euh, définitivement, nous abandonner à. Dès le début du webinaire, ça pourrait être top. Allez-y, allez Olivier. Euh, non, moi, j'ajouterais juste une chose. Euh, euh, pour répondre aussi à la question sur euh, que, que faut-il faire avec euh, un horizon, ça peut durer, euh, il faut déjà redire en amont une chose, c'est que les marchés ne se focalisent toujours que sur une seule chose à la fois. Mm. Là, euh, il faut bien voir, quand on s'est vu d'ailleurs la, 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 la fois précédente, mm. on avait déjà travaillé à un scénario d'inflation qui allait être relativement persistante, ou en tout cas, si elle rebaissait, qu'elle est restée à des niveaux relativement élevés. Et on avait taillé aussi dans la partie euh, action, la oui. construction de portefeuille, pour être aussi faire face à ce genre de situation. Et dans la partie obligataire, où on avait sorti un certain nombre de positions euh, euh, qui auraient pu être en risque dans un tel scénario. Mmh. Euh, donc là, on, les marchés, eux, ils sont partis avec des facteurs euh, essentiellement techniques dans un premier temps. Mmh. Il y a Alors eu beaucoup de sorties. Je vous Pardon. coupe, Olivier, mais je veux que vous m'expliquiez ça, parce que je pense que ce n'est pas clair pour les gens qui nous regardent, oui. qui assistent à du moins 3, plus 7, euh, des, 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 des progressions à deux chiffres sur des actions, euh, des chutes aussi spectaculaires. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi on assiste à une telle volatilité en ce moment si, si, si je pars vraiment en, en essayant de prendre un petit peu de recul, on vient d'une situation où on sortait d'une crise très, très, très sévère liée au, au contexte du Covid, et en fait avec un, un contre-choc, avec une croissance très très forte. On était parti sur des prévisions de croissance entre 4 et 5 pour la croissance mondiale, mais aussi pour l'Europe, ce qui effectivement est vraiment très élevé. Et là, effectivement, avec ce conflit, on est en train de probabiliser les marchés sont en train de probabiliser un risque de récession. Donc, en fait, du coup, ça vous met finalement une, un, un champ des possibles beaucoup plus large qui se ressent finalement aussi dans euh, la volatilité et finalement un intervalle de confiance qui a eu tendance à fortement augmenter. Je vous donne un chiffre. Mmh. La volatilité, c'est-à-dire la température que non pas le corps humain, mais que euh, euh, le corps des marchés, ouais. euh, généralement, euh, il tourne à… C autour pas 37 de 20%. Ce n'est pas 37, c'est ouais. 20%. Aujourd'hui, on est entre 50 et 60%. Tant qu'il y aura cette incertitude sur l'issue du conflit, et notamment sur les trois critères que je vous donnais, on va avoir une volatilité qui va être importante. Ce qui est important pour nous, c'est, un, d'avoir un catalyseur clair, mm -hmm. et deux, d'avoir une volatilité réalisée qui va commencer à baisser. Et à ce moment-là, on va retrouver des investisseurs de long terme qui vont justement réinvestir dans l'économie réelle. Mais en tout cas, je pense que la volatilité, elle est liée surtout à ce, ce risque de récession qui, est, euh, finalement, euh, qui a fait irruption sur le, le scénario euh, financier. Oui. C'est aussi que les, les, les marchés aiment rien moins que l'incertitude. Eh oui. On l'a déjà évoqué très souvent. Et quand il y a ce genre d'épisode, euh, on a déjà vécu hein, des, des guerres, des crises. Euh, oui. On commence par vendre, enfin le, le, les investisseurs, ouais. euh, on va dire les grands investisseurs, commencent par vendre, et puis ensuite on fait le tri. Puis on regarde, voilà. il y a certains secteurs qui ont déjà quand même bien souffert, ouais. comme le secteur des banques européennes, avec effectivement, on se dit qu'une partie de leurs revenus va être, va être quand même amputée. Ouais. Le Luxe, qui est un des magnifiques ouais. succès de l'an dernier, avec qui LVMH, qui, qui gagnait 40, euh, 43% ouais. et qui en repère 17%. Euh, l Hermès, aussi, hein, Hermès, qui euh... avait pris 75% ouais. l'an dernier et qui en perd euh, 24%. Ouais. Donc il y a déjà des secteurs qui ont un peu. Euh, on a enlevé un peu de valorisation. Mmh. Et il y a aussi beaucoup de, de, de facteurs techniques, de flux sortant de l'Europe, parce que quand vous, regardez, euh, quand vous regardez vos investissements, vu, vu euh, des États-Unis par mmh. exemple, vous vous dites finalement on va peut-être être un petit peu plus à l'aise euh, sur le sol américain, on va être un peu préservé. Ouais. D'abord, le, le prix de l'électricité en Europe, c'est dix fois le prix de l'électricité euh, aux États-Unis, et le prix du gaz, ouais. on est à 30 fois. En Europe, Sache le prix que aux États-Unis. Donc il hein. est monté, ouais. il est en train de faire pincer un peu le, le, le consommateur américain, mais pas du tout dans, les, dans mêmes les mêmes proportions. proportions. Donc, euh, vu, vu Donc du point de vue d'un investisseur. Sortent et qui, peuvent aussi expliquer cette volatilité qui sortent d'Europe Exactement. Qui sortent Ou alors, s'ils ne sortent pas, ouais. euh, et c'est pour ça qu'on a, pour répondre à, à la question de la volatilité des ouais. plus 5 moins 4, euh, les investisseurs utilisent des, des produits de couverture. Et, et un produit de couverture. Euh, quand vous le mettez, vous allez en fait vous acheter un indice, hein, oui, c'est si. une sorte de, vous vendez l'indice plutôt hum. parce que vous allez vous couvrir. Oui, mais quand vous enlevez, vous, vous vous retirez tout de suite la, 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 comment dire la, le, la, le couvercle de la cocotte minute. La co et là, et, donc inévitablement, vous avez ce genre de volatilité qui est sans doute pas, pas terminée. Euh, question de Teli, le mot est lâché. Est-ce qu'on est en face d'un crack sur les marchés ah, Pas facile. Hein, non, c'est une question qui est tout à fait euh, légitime. Euh, pour nous un crack euh, ça prend les caractères suivants c'est qu'en fait il y a un trou de liquidité massif mmh. la liquidité tout d'un coup disparaît totalement mmh. sur l'ensemble des marchés à un moment donné et euh, qu'il y a un choc de confiance qui est tel qu'il euh, y a effectivement des flux comme le disait Olivier qui sont si importants qu'en fait on a un, on, entre guillemets un free fall une chute libre ouais. sur les marchés. Est-ce qu'aujourd'hui on a un problème de liquidité et un problème de chute libre? Non pas à trop. ces deux oui. questions. Oui. La liquidité, elle reste très importante, oui. notamment sur bah, liée aux banques centrales. On n'est pas encore dans la phase de normalisation. Oui. Elle viendra. Oui. Donc on va devoir s'adapter aussi à un régime de volatilité plus élevé. Maintenant. Mais c'est pas encore maintenant. Oui. Donc il n'y a pas encore un sujet de liquidité. Et deuxièmement, euh, il n'y a pas encore une chute libre sur l'ensemble des classes d'actifs. Il y a des primes de risque qui sont en train de se, euh, de se constituer, notamment mmh. quand on regarde l'Europe par rapport aux États-Unis, vous prenez depuis le 22 février, il y a entre 5 et 10 de primes de risque. Mais ce qui veut dire que le marché américain, pour l'instant, n'est qu'à moins 10 mmh. Donc on ne peut pas encore parler de, de chute libre des marchés. Il y a encore des forces de, de rappel, rappel. Et ouais. notamment, j'ai envie de vous dire. Toute la partie, euh, les particuliers américains qui ont énormément contribué à, à l'envolée à de la cote américaine, mmh. ils sont encore là pour acheter à chaque fois sur des clôtures difficiles. Ils sont en train de continuer à acheter le marché américain. Mmh. Et je, je pense aussi à nos, à nos auditeurs. Ils mmh. sont aussi particuliers pour certains. Euh, il y a effectivement cette, cette mentalité euh, finalement de d'acheter dans des phases de, de creux qui reste pour l'instant encore valide quand on regarde sur les. Les derniers, euh, les derniers épisodes de marché. Et le. Euh, prenons déjà pour, euh, pour ceux qui sont là depuis pas très longtemps euh, en termes d'investissement, euh, mm -hmm. ne serait-ce que la crise Covid. Euh, C'est un moins 30 euh, qu'on est tombé comme une pierre. Euh, pourtant, on avait qualifié ça plus de flash crash. On n'était pas passé ce qu'on appelle en bear market parce oui. que marché baissier, ça veut dire qu'effectivement, on a d'abord un début bear market de crash. C'est le marché et ours, puis ensuite le marché vendeur. Pour, voilà, pour exactement. expliquer. C'est un marché baissier, mais ouais. en tendance. Là, on est quand, quand on, si on voulait trouver un qualificatif, je mmh. préférais le mot de flash crash. C'est-à-dire que euh, on baisse très très vite, on, on a une grosse incertitude avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, mais il euh, n'y a pas de sujet, comme le dit Mickaël, le solvabilité des sociétés. Mmh. On, on va, certaines vont avoir leurs revenus ou leurs bénéfices un petit peu amputés, ouais. euh, d'autres vont sans doute en profiter. Prenez des boîtes comme, euh, qui sont dans, dans les matières premières euh, qui en profitent en ce moment. Euh, donc il faut juste faire un peu le tri, mais c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Le marché ne se concentre que sur une seule chose à la fois, c'est encore un peu tôt, et surtout que les sociétés elles-mêmes n'ont pas encore forcément vraiment communiqué clairement. On oui. sait que certaines ont fermé leur activité, oui. mais ils pourront la réouvrir aussi vite. Euh, on l'a vécu dans d'autres cas, euh, sur d'autres conflits ou d'autres zones de crise. Euh, donc l'histoire n'est pas totalement terminée. Ouais. Donc, c'est pour ça que. On alors, dit plus, patience, hein. il faut on accepter quand même ouais. la volatilité, c'est-à-dire que. Encore une fois, quand on est livré un peu à des facteurs techniques comme on l'est en ce moment, euh, il n'est pas exclu. D'ailleurs aujourd'hui on avait une séance qui ouvrait plutôt en hausse, on est à nouveau un peu ouais, en baisse. C'est un peu euh, le scénario de ces jours. Euh, il faut voilà, qu'on consolide. Voilà, qu consolide, et pour consolider, il faut qu'on y voit un peu plus clair et qu'on enlève... Ouais. Quelques incertitudes sur le, sur le conflit. Question de Lorette, je vais vous demander d'être de synthétique parce qu'on va avoir beaucoup de questions, autant vous sûr. le dire ce soir, donc il va falloir répondre au maximum. Question de Lorette, la volatilité de l'Union européenne n'est-elle pas dépendante de celle des États-Unis On est plus, moins volatiles oui. Tout ça est-il un grand marché de volatilité mondiale Vous parlez du point de vue politique ou, euh, ah, Je parle du marché, marché là, purement marché, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai, il y a une prime euh, en, entre la volatilité des actions européennes versus les actions américaines oui. qui est de l'ordre de 15 à 20 points. On a, on a rarement vu finalement une, une surcote aussi importante de la volatilité à l'Europe. Mais après, on peut l'expliquer. Mmh. C'est légitime du fait qu'effectivement, il y a on est un conflit qui, est, qui est très, ouais. on, est, on est très proche du conflit. Mmh. On a un système bancaire euh, qui effectivement euh, doit euh, euh, aborder aussi le, les sanctions, notamment sur SWIFT. Euh, mais néanmoins, il ne faut, faut pas oublier, comme le disait euh, Olivier, si c'est un flash crash on va avoir aussi une résorption finalement de cette prime de risque oui. qui va se traduire par une moindre volatilité à un moment donné et un rebond des marchés une fois qu'on aura un catalyseur clé oui. pour euh, voir euh, finalement les trois critères commencer à, à baisser. Oui. La durée du conflit, les sanctions et la réactivité des États. Et en rythme de croisière, j'ajouterais que oui, il y a une prime aussi aux États-Unis par la composition des indices, oui. puisqu'on on a en Europe des indices qui ont plus de bancaires un peu plus industriel, alors qu'aux États-Unis, ils ont la tech qu'on n'a pas, nous, dans nos indices, toutes les grandes technologies. Donc euh, inévitablement, euh, et surtout depuis quelques années où on avait ce rallye sur les, les grandes valeurs technologiques mmh. qui a été encore appuyé par la crise du Covid, puisque c'était les grands gagnants de la, de la crise du Covid, inévitablement, il y a toujours effectivement euh, une volatilité plus importante sur l'Europe. Alors, je vous ai coupé, Olivier, tout à l'heure, mais c'était intéressant, parce que les gens qui nous regardent vont se dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait chez Edmond Rothschild Asset Management pour mes mandats Comment euh, ils ont manœuvré pour s'adapter à cette crise qui nous tombe dessus. Alors, si on, si on rembobine encore une fois un tout petit peu pour dire, euh, avant que ça arrive, puisqu'effectivement, euh, il, faut, il faut en toute humilité, euh, on n'avait pas ça dans le scénario. Je oui. l'avoue que. Euh, donc, on, on, avait, on avait effectivement construit les portefeuilles sur un rythme euh, de croissance relativement euh, solide, oui. même si on savait que ça allait se ralentir un petit peu, euh, avec un, un, un environnement inflationniste et un environnement de taux d'intérêt plutôt orienté à la hausse. Euh, du fait de la normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Donc il fallait réagir. Les premières choses qu'on avait faites, et ça c'était avant euh, le déclenchement de cette crise, mmh. on avait déjà euh, évité de rajouter du risque au risque, et donc on avait sorti des obligations d'entreprise, notamment euh, américaines, euh, enfin des, des, des supports qui étaient très liés à ces segments-là, aussi des dettes émergentes. Qui, euh, donc on avait commencé à... À réduire ce genre de risque et redonner de la flexibilité dans les portefeuilles obligataires. On est allé chercher de la dette chinoise, hein, qui est à plus 4, un peu plus de plus 4 depuis le début de l'année. Donc on a quand même des sources de performance, des fonds flexibles qui arrivent à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils avaient très bien joué cette période de, 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 de retour de l'inflation. Dans l'ensemble, c'est difficile. Les marchés obligataires sont encore un peu difficiles cette année. Ils sont encore dans le rouge. Hein. Mmh. Euh, pour autant, ça permettait. En, en, en travaillant de cette façon, de conserver nos positions en action. Encore une fois, c'est là qu'on va aller extraire de la valeur. Mmh. On accepte toujours de la volatilité à court terme. Alors, il y en a un peu beaucoup dans, dans, dans le cadre de cette crise. <laughs> il y a beaucoup accepté. Mais, mais euh, l'idée, c'était de, de retailler les positions et, et d'arriver à une situation où la partie de vraies convictions de long terme, parce qu'on a quand même des vues qui sont quand même assez longues, mmh. et notamment dans la partie thématique, des actions thématiques, mmh. euh, qui se doivent là d'être de, de, sur des plans d'investissement qui sont quand même assez, assez longs, on verra un petit peu dans le détail, mmh. euh, qui a pris beaucoup de place depuis 2018 dans les allocations actions. Euh, et là, euh, j'ai envie de dire, on essaie de s'extraire aussi de, de, du côté un peu cyclique du marché. Oui. Donc on avait déjà fait ça avant. Maintenant, là, on est, dans la, le, dire, on est dans le dur de, de, de cette inc du incertitude. Oui. On est un peu dans l'œil du cyclone, euh, et donc c'est assez récent puisque euh, on, on vient de, 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 de donner une nouvelle recommandation d'investissement à, à Generali, euh, dans laquelle euh, on ne va pas forcément réduire fortement l'ensemble des positions, des sensibilités oui. aux actions. En revanche, à l'intérieur, il est clair qu'on va aller jouer un peu plus la visibilité sur les États-Unis. Notamment, à nouveau les thématiques oui. qui ont la plupart du temps des biais euh, qui sont très tournés vers les, vers les États-Unis. Et on réduit quand même un petit peu l'Europe sur des supports qui sont un peu trop volatiles parce qu'on n'est on pas du tout, et on y reviendra sans doute, mais pour l'instant, il faut laisser passer un peu l'orage, oui. attendre une période de ce qu'on appelle d'accumulation, de reconstruction un petit peu, de, de stabilisation. Et à partir du moment où on aura les primes de risque qui rebaissent un peu, la volatilité qui baisse un petit peu, euh, ça sera l'occasion sans doute là, oui, de. De remonter nos allocations. Oui. Mais tant que la volatilité est à ces niveaux-là, euh, C'est difficile de reprendre des positions. Encore une fois, on a une incertitude qui n'est pas liée au marché, qui n'est pas liée à la santé des entreprises, qui n'est pas liée à leur perspective de résultats. Ouais. C'est lié euh, à, à des, des effets indirects. Fort, ouais. des, et, et encore, ce sont des effets indirects. Ouais. Les effets directs euh, sont, sont relativement minimes. Ouais. En tout cas, dans, dans les portefeuilles, ils sont très, très minimes. Ouais. Là, on est vraiment sur les effets indirects de cette hyperinflation temporaire, j'espère, ouais. euh, sur à la fois le blé, le pétrole et le gaz. Ouais. C'est important oui, je pense, ce, que ouais. dit, ce que dit Olivier parce que finalement ça, ça révèle finalement une philosophie de gestion qui est très forte chez nous oui. euh, et ça me fait penser finalement à une phrase que donnait euh, Warren Buffett et qui disait prévoir la pluie ne compte pas. Construire une arche compte, et c'est exactement en <laughs> fait ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire, euh, bien sûr, c'est très difficile de pouvoir anticiper euh, l'improbable, tout ce qui peut Mais se par passer, contre, ouais. de construire une solution viable sur le long terme pour créer de la valeur sur le long terme, oui. c'est ce qui nous semble le plus important parce que euh, on va, on ne va pas chercher à spéculer sur l'avenir, on va chercher à construire, voilà, cette, une solution oui. qui puisse être vraiment viable pour les, les retraites de demain. Transition tout trouvé, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'assurance vie c'est le placement euh, du temps long. Euh, bien sûr, il fallait répondre à, cette, à ce qui est en train de se passer sur ce que vous faites actuellement pour y faire face. Mais est-ce qu'on pourrait justement reprendre un petit peu de champ et expliquer comment justement vous avez construit ces stratégies sur les obligations, sur les actions, euh, justement depuis cinq ans Alors je pense qu'il serait peut-être bon dans ce cas-là de faire un petit point sur. Enfin, de refaire un, voilà, euh, de faire un point sur les, les, qui les performances historiques ouais. sur cinq ans, on va mettre les obligations. Remettre les choses en contexte ouais, en un fait. Un peu hein. de contexte, ouais. exactement, les obligations sur 5 ans, on va remettre 2021, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur 2021 oui. et on va, on va en parler, euh, on va développer, euh, les obligations sur 5 ans quand même, ce qui s'est passé avec euh, la loupe sur 2021 et puis après on reparlera un peu mmh. des, des perspectives. Alors, Alors, effectivement, ouais. sur, le, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on peut regarder euh, qui est vraiment clé C'est qu'en fait, les, les, la performance des obligations sur 5 ans, on voit que euh, in fine, au bout de 5 ans, on est proche de 100. Donc, euh, finalement, une obligation n'a pas forcément euh, perdu euh, de, de sa valeur quand on regarde les, différentes seg les différents segments. Mmh. Par contre, ce qui est important de regarder, c'est que depuis 5 ans, il y a une volatilité, une variabilité du prix de cet actif obligataire mmh. qui est très importante. Il y a une classe d'actifs euh, obligataires qui s'en sort particulièrement bien et qui tire son, son épingle du jeu, ce sont les obligations à haut rendement, les obligations d'entreprise. peut-être avoir la slide euh, euh, en, en plein, bleu en plein clair. Écran, hein, parce est dense. Voilà. Voilà, en bleu clair, vous, vous voyez, voyez une, finalement une, une ligne qui se détache vraiment oui. du reste des segments obligataires et qui montre effectivement que d'investir dans l'économie réelle, dans des obligations, donc dans des fractions d'emprunt d'entreprise... Mmh. Euh, du fait d'une euh, baisse du taux de défaut et de la solvabilité vraiment très importante euh, des entreprises, ça a permis quand même de pouvoir euh, délivrer à peu près 15% sur 5 ans. En dehors de cette classe d'actifs obligataires, on a plutôt une variabilité assez forte et beaucoup de bruit. Mmh. Ça veut dire une chose en termes d'implication de gestion pour nous, allocataires, c'est que euh, pendant longtemps, on a considéré les obligations comme euh, un actif plutôt euh, sans risque. Mmh. Aujourd'hui, on, aujourd on a <laughs> du risque ouais. sans rendement. Ouais. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé dans, dans l'équipe euh, à, une, à une version 2.0 de la nouvelle diversification par rapport à une approche traditionnelle qui consistait à dire on a des actifs risqués en face, ouais. on va mettre des obligations. Et vous voyez sur ce graphique-là que ça ne marche plus. Ça. Que ça ne marche pas ouais. et que depuis quelques années, hein, on a effectivement revisité cette thèse d'investissement en ayant notamment deux choses de la flexibilité des, des gérants vraiment très agiles sur le, la sensibilité au risque de taux mmh. et deux une diversification qui s'opère plus par des thématiques que par des actifs dits sans risque mais qui finalement on le voit ont, ont du risque. Ouais. Si on regarde sur les actions, sur le slide d'après, alors là, vous avez Ça, sur 2021, 2021 euh, voilà. juste euh, finalement le, ouais. le zoom ouais. avec effectivement, euh, plus on se rapproche de la normalisation et de ce film de euh, normalisation de la politique monétaire, plus on a de la volatilité et en plus on a euh, des performances qui commencent à devenir commence négatives. À baisser, oui, oui. Donc il a fallu pour nous, sur, trois, sur les 3-4 dernières années, oui. déjà à, à pouvoir anticiper ce, ce trait-là. Le, le slide suivant, la diapositive suivante, montre à l'inverse que d'investir dans l'économie réelle, cette fois sur les actions, mmh. sur une participation finalement au, au bénéfice des entreprises, ça a été. Très positif sur les, les actions mondiales. Aussi, alors on voit sur les actions mondiales, c'est sur le, la ligne jaune. Sur la ligne noire, on voit les actions américaines qui ont fortement progressé. Mmh. On voit quand même que sur la ligne rouge, on a eu quand même les actions chinoises la Chine, hein, qui, qui ont fait un très très beau. Euh, euh, démarre, elle a un très beau de pédigré oui. de 2016 à 2020. Oui. Euh, on a presque doublé en fait euh, notre, notre mise hein, sur les actions chinoises. Et puis sur une période plus récente, il y a eu une déconnexion. Entre la trajectoire haussière des marchés des grands pays développés mmh. et la Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que oui, c'était un détracteur sur la Chine sur la dernière année. Mmh. On pourra d'ailleurs y revenir, mais sur une période un peu plus longue, la Chine a quand même euh, délivré une performance positive. Mais surtout pour l'avenir, on pense que c'est plutôt un marché d'avenir parce qu'elles ont effectivement des, 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 des leviers euh, sur l'assouplissement le, la, fiscal, monétaire, le développement qui est vraiment la croissance chinoise. Exactement. Ouais. Si on regarde, il y a peut-être encore la slide des performances actions sur 2021, je crois, oui. qu'on peut regarder, là aussi, pour avoir une sur rapide. C'est ce que je disais ouais. juste à l'instant. On a effectivement une, un très bon cru oui. euh, en 2021. Voit, euh, ouais. Avec un décrochage et une déconnexion des actions chinoises. Alors, alors c'est intéressant parce que quand on fait un zoom, effectivement, et qu'on fait un arrêt sur image et qu'on ne regarde pas le film dans sa totalité, on peut effectivement s'émouvoir d'une forte baisse hein, oui. des, des actions chinoises. Mais quand on est investi un investisseur plutôt de long terme, on peut plutôt y trouver une opportunité, sachant qu'elles ont déjà procuré mmh. et délivré de la performance mmh. avant 2021. C'est super transition, Michael, parce qu'effectivement, il faut parler des performances des différents mandats. Et on a eu pas mal de questions aux gens qui disent, voilà, finalement, en 2021, euh, la performance de mes mandats, ils ont fait cette photo à l'instant T, n'était euh, pas euh, aussi, peut-être aussi bonne que j'aurais pu l'attendre, notamment sur le mandat dynamique. Euh, Est-ce qu'on peut faire un point sur les performances, justement, Olivier Oui, Alors, si on pouvait prendre juste le... La, la photo, je vais dire, principale. À une, une fois qu'on a planté un peu le contexte, on, on va parler de résultats. Euh, ce ce qu'on voulait vous montrer là, c'est euh, qu'on prenne euh, les performances. Donc, vous avez euh, du bleu au plus clair, au bleu, bleu foncé. Vous avez 2021 et ensuite, vous avez sur 3 ans, arrêté à fin 2021, sur 5 ans et sur 10 ans. Ouais. Euh, vous rappelez que c'est une offre quand même qu on, qu on, sur laquelle on travaille depuis 2009, mmh. donc on a quand même une antériorité depuis maintenant assez longtemps, et c'est aussi pour montrer que dans la durée, euh, on a quand même cette hiérarchie des rendements. Euh, je, je reviens prenons bah, par exemple le dynamique sur 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 l'an dernier oui. où on fait y a un petit peu moins de 9%. Effectivement, au regard d'un CAC 40 qui a fait 32, oui. on se dit c'est euh, sur ça, le ça, dynamique. Est, on a pas voilà. mal de questions. Ça va pas vous surprendre. Euh, les euh, oui. Alors <laughs> attends, le dynamique n'est pas à 100% en action. Non. Donc euh, on reviendra aussi peut-être sur les fourchettes ouais. d'investissement. Mais ce qui est ce que je voulais montrer euh, surtout sur sur cette photo, c'est que du défensif euh, à l'équilibre au dynamique et, et à l'offensif, l'année 2021 Peut paraître effectivement un peu en retrait. Il faut mmh. quand même pas oublier que sur trois ans, un mandat défensif, ça a fait 13 mmh. sur trois ans, mmh. incluant l'année 2021. Mmh. Sur cinq ans, elle est un petit peu en retrait parce qu'il y a une année compliquée, la seule année calendaire historique euh, de la gestion pilotée qui est 2018, avec le dernier trimestre qui a été. Euh, qui a été une véritable catastrophe avec le, la réserve fédérale qui avait commencé à, à être peut-être un petit peu en avance sur un programme qu'elle a retiré début 2019. Mais si on regarde en, sur 10 ans, un mandat défensif, donc qui inclut 2021, qui inclut une année 2018 extrêmement difficile, un mandat défensif a gagné plus de 42%. Vous prenez le mandat dynamique, vous voyez qu'on a le même phénomène. Mmh. On a une année 2021 qui peut paraître un peu en retrait, mmh. mais c'est quand même 37%. Euh, sur trois ans. Là aussi, 2018 euh, est un petit peu pénalisant. En revanche, sur 10 ans, c'est 94%. On a presque doublé mmh. le capital d'un mandat dynamique sur 10 ans. Bien sûr, encore une fois, avec de la volatilité, je reviens sur ce que disait Michael. C'est vrai qu'on nous on travaille plutôt sur le film, c'est-à-dire que bien sûr le calendrier est important pour les clients, le calendrier est, est important sûr. parce qu'il mmh. faut comparer les choses, il faut pouvoir, il faut faire un arrêt sur image. Mais on est dans un film, on, 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 on attend la fin de l'histoire, on, on <laughs> ne retourne pas là. Oui, d'ailleurs, elle n'a pas de fin en réalité, c'est l'histoire sans fin là pour le coup. <laughs> on, on est dans un film qui ne s'arrête pas. Donc et et on ne même si on travaille à, à l'issue de chacun de nos comités sur des pages blanches, c'est très important cet exercice de la page blanche, se dire je pars de zéro. Et vérifier qu'on est à l'aise avec toutes les positions que l'on peut avoir. Et, et on peut être amené à prendre des positions, des, des décisions assez drastiques. Ça, ça nous est déjà arrivé. Mm. Euh, la seule chose, c'est qu'on euh, on est quand même dans un investissement. Encore une fois, on est dans le mm. temps long. Et si je reviens sur cette partie thématique, je voudrais juste insister ah là-dessus. Justement, super. Ah bon. euh, su non, mais c'est très bien parce que Chris <laughs> nous dit, qu'est-ce que vous appelez concrètement les actions thématiques Alors, d'expliquer. – Les actions thématiques, c'est une façon de... De, de grouper dans des, dans des OPCVM euh, des actions qui vont être sur la même thématique. Donc, ça peut être l'économie circulaire, ça va être. Ah déjà, l'économie euh, circulaire, bah, faut euh, vous expliquer La aussi, transition. Je suis <laughs> ah, ben oui Ce <laughs> sont toutes les sociétés qui vont travailler à réduire leur empreinte carbone voilà. euh, et à travailler avec des circuits courts. Ouais. Euh, et donc, c est, c est, ensuite, on, on va mettre des curseurs de chiffre d'affaires parce qu'il n'y a jamais de société qui ne fait que ça, mmh. évidemment. Mais on va favoriser toutes les sociétés qui vont dans ce sens-là la transition énergétique, ça c'est un peu mmh. plus facile, on va, on va prendre des éoliennes, on va prendre toutes les sociétés qui améliorent l'efficience énergétique, mmh. toutes celles qui sont dans la gestion, le traitement de l'eau, le traitement des déchets. Donc on, on, on va être dans, dans une vraie... Euh, euh, dans, un, dans une vraie thématique d'investissement. La dernière, alors il y en a plein d'autres, mais la dernière qu'on vient d'intégrer euh, très récemment, on en avait parlé oui. la, la dernière fois, sont les infrastructures, mais les infrastructures euh, dites vertes, c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine de l'eau, mmh. on revient sur euh, l'agroalimentaire, et tout ce qui est l'agroindustrie, et tout ce qui est dans le domaine des énergies propres. Ça, il faut bien voir que de tous les plans d'investissement qui ont déjà été votés, vous avez euh, quasiment la moitié des plans d'investissement qui vont être orienté vers ces trois thématiques-là. Donc les sociétés qui sont dans ces, dans ces plans d'investissement qui courent jusqu'en 2030 euh, vont bénéficier euh, des, des capitaux privés, publics. Et donc euh, c'est là quand je dis qu'on parle de temps long, c'est qu'on n'est pas en train de parler de 2022, on parle d'investissement, mais dans un, dans un temps qui, avec un horizon qui est quand même relativement long. Et avec, là aussi, ça recollait avec ce qu'on avait dit la dernière fois sur l'engagement que l'on a à nous, c'est aussi de participer à cette transition énergétique. Donc les fonds thématiques, on peut en trouver plein d'autres, on en a un sur le Big Data par exemple, euh, qui travaille sur toutes les sociétés, certes dans le Big Data, mais aussi toutes celles dont une grande partie des résultats ou des revenus va être générée par l'application du digital. Euh, voilà, donc euh, on peut retrouver des banques par exemple dans ce, dans ce domaine-là, ça peut arriver. Donc euh, voilà, donc, un fonds thématique, c'est un fonds qui va être investi sur une thématique plutôt de long terme en général. C'est rarement. Euh, on en a un autre sur le vieillissement de la population. Mmh. Donc là, voilà, c'est un, un peu le même principe. On va avoir beaucoup de pharmaceutiques par exemple dans, dans, un, dans un fonds de, de cette thématique-là, euh, mais pas que.